en plus. Mm-hmm. Thank you. Thank Merci. You. Okay, wonderful. Super. Before I came to this webinar, I was praying a lot. Avant de venir à ce webinaire, j'ai prié beaucoup. And I was praying that each of you could come to this webinar because what we are going to do today, it's very, very important. Et j'ai prié pour que chacune d'entre vous vienne à ce webinaire parce que ce qu'on va faire aujourd'hui est très important. And before we start, I want to ask you. Et avant de commencer, j'ai envie de vous demander. Do you like to travel? Est-ce que vous aimez voyager? If yes, you put like this sign. Si oui, mettez un pouce. And while you're doing this, I will tell you something important. Et pendant que vous faites ça, je vais vous dire quelque chose d'important. That you are here today because something called you from inside. Parce que vous êtes ici aujourd'hui, quelque chose vous a appelé de l'intérieur. Yes, it could be like the feeling that I want to search in this life something more, that I feel that I need to search something more. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de chercher, quelque chose de plus que vous avez envie d'avoir dans cette vie. That I feel that inside myself, I feel some energy that I want to realize. À l'intérieur de moi, je ressens de l'énergie que j'ai envie de réaliser. Mm-hmm. And that inside there is a feeling that I can do much more than I am doing just now in this moment of my life. Et à l'intérieur, vous avez un ressenti que vous pouvez faire bien plus que ce que vous avez actuellement dans votre vie. And if you feel it, it's very good because it means that you have the talents given by God to help many people on this planet. Et si vous ressentez cela, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez le talent donné par Dieu pour réaliser cela dans cette vie. Before to start the webinar, as I told, I was moving to the top of the special mountain. Avant de commencer ce webinaire, j'ai été sur une montagne, le haut d'une montagne. It was the place of power. C'était un lieu de pouvoir. And when I achieved the top, it was like the temple, like Thor, a very tall Thor. Et quand j'ai été jusqu'en haut de la montagne, c'était une sorte de temple de grande tour. And I started to pray and to ask light spirits to help you who will come to this webinar. Et j'ai commencé à prier et j'ai demandé aux esprits de la lumière de vous aider à venir à ce webinaire. And in 5 minutes, suddenly, 33 white birds just came to the top of the tower. Et en 5 minutes, juste 43 oiseaux sont venus au-dessus de cette tour. And the spirits told me that these white birds are the souls of the women who will come tonight to meet. Et ces oiseaux, en fait, les esprits m'ont dit que ce sont les âmes des femmes qui vont venir ce soir au webinaire. These white birds were so beautiful. Ces oiseaux blancs étaient tellement beaux. Yes, and I feel now more and more deeper connection with your beautiful hearts. I feel that it's right. Et je ressens maintenant une grande connexion à votre cœur. C'est de plus en plus fort. And now I want to hug all of you, my dear ones. Et maintenant, j'ai envie d'enlacer chacune d'entre vous, mes très chères. And let's together connect our hearts in big love. Et ensemble, connectons notre cœur dans un grand amour. You can feel the heart of everyone who today with us at this webinar. Vous pouvez ressentir le cœur de chacune qui est ici dans ce webinaire. And you can feel how your heart lives also in the heart of this woman who came. Et vous pouvez ressentir comment votre cœur vit aussi dans le cœur des femmes qui sont venues. Yes, and together we create very big, big heart. Et ensemble, on crée un très, très grand cœur. And
The whole planet needs your love so much now. Et la planète entière a besoin de votre amour maintenant. Let's now together do like this and hug our planet. Ensemble, faisons comme ça et enlaçons notre planète. Hug and send love from your beautiful hearts as you can. Enlacez cette planète et ressentez et envoyez de l'amour à cette planète le plus que vous pouvez. And think about those people who need now your support. Et pensez aux personnes qui ont besoin maintenant de votre aide, votre support. Because now on the planet there are so many difficulties, so many pain, so many sufferings. Parce que maintenant sur la planète il y a beaucoup trop de difficultés, de douleurs, de souffrances. And if you are my dears chosen by light spirits to be here, it means that you have the healing talent. Et mes chers, si vous êtes ici, choisis par les esprits de la lumière, ça veut dire que vous avez des talents de guérison. And you feel now this response in your heart. If you feel this response in your heart, please put what you want, plus or flower or some sign in our chat. Et si vous ressentez cette réponse dans votre cœur, s'il vous plaît, mettez un plus ou quelque chose dans le chat, une fleur. I see flowers. Very beautiful. Yes. And my heart is beating now more strongly because I feel that I know you. Many of you I know from the past life. Et mon cœur est rempli maintenant parce que je ressens que je connais chacune d'entre vous des vies passées. Yes. And the sign that was given to me by spirits about you when I was on the top of the mountain is very important. Et le signe qui m'a été montré par les esprits de la lumière au-dessus de cette tour, c'est un signe très important. It means that these women, they will have the special energy for transition and to go through this period of time and to enter the era of Aquarius. Et ça veut dire que ces femmes vont avoir une énergie très spéciale pour rentrer dans cette nouvelle ère et dans cette ère d'Aquarius, pouvoir rentrer facilement. About era of Aquarius, about the special astrological time. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ère du Verseau, de cette période astrologique? Yes, because this time, which gods give us, it's the very good opportunity to come into the sixth race. Et ce que nous donne Dieu à cette période, c'est une opportunité pour rentrer dans le sixième rayon. And the era of Aquarius opened the gate for each of you to open your super talents for sixth race. Et l'ère d'Aquarius vous ouvre toutes les portes pour rentrer dans le sixième dimension. Are you ready? Est-ce que vous êtes prête? If you are ready to receive this new experience and receive very special knowledge how to tune, to come to the sixth race, please put three pluses. Si vous êtes prête à rentrer dans cette nouvelle ère, le sixième rayon, mettez un plus. Oh, pas plus. Spiritual, very spiritual souls here. Thank you so much. Vous êtes des âmes très spirituelles. Merci beaucoup. Oh, I shot 10 pluses. It means that you have a lot of energy. If you put that more than three pluses, it means that you have a lot of energy, a lot of power to open your super talents. Echa, si tu as mis plus de 10 plus, ça veut dire que tu as beaucoup de pouvoir et que tu as ouvert tes talents. Today we will speak a lot about abundance. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup à propos d'abondance. And the online school that we will have on December will open you some special methods how to open the power inside you. Et l'école en ligne que nous allons avoir en décembre va vous aider à ouvrir des super pouvoirs que vous avez à l'intérieur de vous. And also today, I will offer you to do interesting tests about your inner power.
Et aujourd'hui, je vais vous offrir un test qui peut vous aider à en savoir plus sur vos pouvoirs personnels. Because of course you understand that if you want to materialize your wish, you need energy. Bien sûr, vous devez comprendre que si vous voulez matérialiser vos rêves, vous devez avoir de l'énergie. And if you remember, come through your life back, like make a review, and remember some good situations in your life. Si vous vous rappelez de votre vie, si vous faites une revue de votre vie, rappelez certaines situations. For example, when you achieved your purpose or some realized your wish. Par exemple, quand vous avez achevé vos buts ou réalisé vos souhaits. Or for example, you were searching some new job and suddenly you received it. Ou par exemple, quand vous recherchez vous avez recherché un nouvel emploi et vous l'avez reçu. Or maybe it was like you were open for new love and something happened and you found your partner. Peut-être que vous étiez ouvert à un nouvel amour et vous avez trouvé votre nouveau partenaire. Yes, and you fall down in the love story. Et vous êtes rentré dans une histoire d'amour. Or maybe somebody suggested you to go somewhere where you dreamed to be. Peut-être quelqu'un vous a suggéré d'aller quelque part, vous avez rêvé. Try to remember just maybe one, two life situations in the past when you remember that you achieved what you wanted and you were succeeding this. Essayez juste de vous rappeler de certaines situations de votre vie où vous avez eu du succès, vous avez succédé. And what did you feel in that moment? What was emotional state inside you? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment? Quel était l'état émotionnel à ce moment? When I ask this question, my beautiful students, they usually answer that they felt such like inspiration, satisfaction, a lot of energy, a lot of power. Et quand je demande cette question à mes étudiants, ils me répondent souvent qu'ils ont la satisfaction, beaucoup de pouvoir, de l'énergie. Do you agree with me? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? If you will have opportunity somehow to react, to answer in chat, I will be very great, thank for you, because usually I used to see your eyes at the seminars. Si vous utilisez le chat pour répondre, je vais être très contente parce que d'habitude, je vois vos yeux au séminaire. Because I am a shaman. Parce que je suis une chamane. And when I meet online, like through internet, I feel that I need very much this feedback to see your answers, to see your eyes. Et quand je suis online, sur internet, j'ai vraiment envie de voir vos yeux, de vous voir. And if you will give me some reactions like you do now, it will help me to send you more energy. Et si vous envoyez certaines réactions que vous mettez dans le chat, ça va m'aider à vous envoyer de l'énergie. Because as we understood, if we want to achieve something, if we want to be successful, we need a lot of energy. Nous devons comprendre que si on veut avoir beaucoup de succès, si on veut avoir du succès, nous devons avoir de l'énergie. We need a lot of power. On a besoin de beaucoup de pouvoir. And if we don't have energy, we don't have power. Et si nous n'avons pas d'énergie et pas de pouvoir, do you think it will be possible to achieve what we want? Est-ce que vous pensez que ça va être possible d'achever ce qu'on veut? Of course no. Bien sûr non. That's why in old ancient traditions there were special rituals, special knowledge how to attract power for your wishes. C'est pour ça que dans les anciens temps, il y avait des rituels spéciaux, des connaissances spéciales pour avoir du pouvoir et pour attirer vos souhaits. How to be on the very high level of energy that you could attract everything from universe what you need. Comment être à un haut niveau d'énergie pour attirer à l'univers tout ce que vous voulez? My beautiful, do you agree with me that if we want to achieve something, we should have a lot of energy, a lot of power? Mes très chères, belles,
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on va achever nos rêves, nous avons besoin de beaucoup de pouvoir, Thank beaucoup d'énergie. I'm so happy that we feel this connection with you now. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse qu'on ressente cette connexion avec vous maintenant. And now I suggest you to do one small exercise that you can do when you want to awaken your power. Maintenant, je vous suggère un exercice pour réveiller votre pouvoir. And if you write to my email after the webinar or my WhatsApp, I will ask now to give it to you. You can receive a link to the video with exercises. Et si vous m'écrivez sur mon email ou sur mon WhatsApp juste après le webinaire, donc je vais demander maintenant à mettre cela en disposition, vous allez recevoir une pratique pour cela. Exercises, meditations that I made specially for you. It's already in French. Un exercice spécial préparé pour vous que c'est déjà en français en plus. Yes, if you want to empower yourself and have a lot of energy for all your wishes. Si vous voulez avoir plus de pouvoir personnel et avoir beaucoup d'énergie pour vos souhaits. Okay, now take your hands and start to heat it. Maintenant, commencez à prendre vos mains et à les frotter. Mm-hmm. Heat your hands, it should be warm, but if it will be hot. Frottez vos mains, il doit être chaud et même très chaud. Then clap. Applaudissez. Mm-hmm. Again, heat. Fort. Very active. Très activement. Hope that you are doing it with me now. J'espère que vous êtes en train de le faire avec moi maintenant. Again, clapping. Encore, vous applaudissez. Very good. And the third time, heating. Très bien. Et la troisième fois, encore, clapping. Vous frottez, applaudissez. If you feel hot energy inside your spine, it's very good. Si vous ressentez l'énergie à l'intérieur de la chaleur à l'intérieur de votre dos, mm-hmm. c'est très bien. And now, put your hands at the distance like 3, 5, 10 centimeters. Et maintenant, mettez vos mains à distance de 5, 10 centimètres. You can feel the vibrations of energy in your palms. Vous pouvez ressentir la vibration d'énergie dans vos paumes. Mm-hmm. Very good. I see Très in your aura bien. Now more power. Je reçois dans votre aura plus de pouvoir. And create the energetical ball. Et maintenant, créez un ball énergétique. Mm-hmm. In between your hands, create this energetical ball of power. Et à l'intérieur de votre paume, créez cette boule d'énergie, de pouvoir. And now with your thoughts, with your consciousness, put inside this energetical ball what quality you need for yourself. Et maintenant, avec conscience, à l'intérieur de cette boule, mettez les qualités que vous avez besoin. And think about this very actively. Et pensez à propos de ça activement. Abundance. Abondance. Success. Succès. Protection. Protection. Power. Pouvoir. Okay, put this into your energetical ball. Très bien, mettez-le dans votre boule énergétique. And now, with inhale, you touch and inhale the energy from this ball to your solar plexus. Très bien, et maintenant, mettez cette boule d'énergie au niveau de votre plexus solaire et inspirez. You inhale the energy from this ball to your solar plexus. Vous inspirez l'énergie de cette boule sur votre plexus solaire. Mm-hmm. Again, inhale. Let's do encore. This exercise again. Encore une fois, inspirez. Refaisons cet exercice encore. You hit your palms. Vous frottez vos mains. I don't know what about you, but I feel very hot, like I'm somewhere in Africa. Je ne sais pas à propos de vous, mais je ressens déjà beaucoup de chaleur. Je me sens comme en Afrique. Mm-hmm. Very good. Très bien. Very active, energizing. Très mm-hmm. actif, beaucoup d'énergie. Create the ball. Créer un boule. The sphere of strong power. Cette sphère de pouvoir puissant. Mm-hmm.
And now inhale and touch with your hands your solar plexus. Maintenant, inspirez et touchez votre plexus solaire. Exhale, harmonize. Expirez, harmonisez. Mm-hmm. And now close your eyes. Maintenant, fermez vos yeux. And for some seconds, just sit, stretch, sit straight spine and relax. Et maintenant, pour quelques secondes, asseyez le vous droit et relaxez. Continue to breathe. Continuez à respirer. Mm-hmm. Harmonize your breath. Very good. Harmonisez votre respiration. Très bien. Now you can open your eyes. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux. And please write or just put plus if you feel like more power, more energy, or maybe hot. Could you please share in the chat? Maintenant, mettez un plus si vous ressentez le pouvoir, l'énergie, si vous ressentez la chaleur. Mm-hmm. Mm-hmm. Very good. Très bien. Wow, how many pluses? Oh, combien de plus? That your power growing now during these minutes very strongly. Ça veut dire que votre pouvoir il a grandi durant ces minutes très mm-hmm. profondément. Yes, yes. It's very simple exercise, but it's very powerful. C'est un exercice très simple mais très puissant. Yes, and I will send you links to the video, and they are much more powerful. Et je vais vous envoyer le lien de la vidéo. Ils vont être bien plus puissant. Mm-hmm. Once one of my students, she made exercise ritual from my video and she had a dream. Une fois, une étudiante a fait les exercices de cette vidéo et elle a eu un rêve. She wanted to grow and to build her career and of course she wanted to be successful, but she was very afraid of her boss. Elle voulait grandir et avoir une bonne carrière, mais bien sûr, elle avait peur de son patron. But she had a purpose. She wanted to grow and to be more abundant. Et bien sûr, elle avait un but et elle voulait avoir plus d'abondance. But her boss was very, you know, how Saturn, he was not smiling. Every time he was very serious and he demanded a lot from his workers. Mais bien sûr, elle avait peur parce que le patron était très sérieux, il était du genre Saturne. Et voilà, elle avait une énergie très sérieuse. After 1 week, she started to do my exercises. Et après une semaine, elle a commencé à faire mon exercice. She felt a lot of power inside and she was very easy opening the door to his cabinet. Elle a ressenti beaucoup de pouvoir et finalement, elle a ouvert la porte du bureau, du cabinet. Mm-hmm. And felt that she has enough energy to say, just explain that, you know, I feel that I deserve more. Et juste, elle a ressenti que c'était facile, elle a juste dit au patron qu'elle méritait plus. And after their conversation, he gave her another level in their business department. Et après la... Après la conversation, il lui a donné un autre niveau dans sa carrière, un autre niveau de hiérarchie. Mm-hmm. And today, I will invite you to do a very interesting test and we will see what is your inner power level. Maintenant, on va faire un test d'énergie, on va voir à quel niveau est votre pouvoir. Yes, the energy and the quality of energy that you have, it's very important. L'énergie, la qualité de l'énergie est très importante. And the era of Aquarius means for us that those people who will start do spiritual practices. Et l'ère du Verseau signifie que les personnes qui vont commencer à faire des pratiques spirituelles will be really successful. Vont avoir beaucoup de succès. This is the difference between the era of Fish, like it wasn't before, and era of Aquarius. C'est la différence entre l'ère du poisson qui était juste avant et l'ère du Verseau qui arrive. Mm-hmm. And if you will use this principle in your life, it will help a lot to achieve everything that you want.
Et si vous utilisez ces principes dans votre vie, ça va vous aider à achever ce que vous voulez dans votre vie. Because each soul is given the life in our physical body with one main sense, with one main reason. Parce que l'âme donne vie dans ce corps avec une seule raison. Une raison. To realize your predestination. Réaliser sa prédestinée. Just think about these words. Juste penser à propos de ce mot. My soul is given this life in order to realize the predestination. Mon âme a été donnée dans cette vie avec l'ordre de réaliser sa prédestinée. My soul is given this body. Mon âme m'a donné ce corps. Temple. Ce temple. In the physical world. Dans le monde physique. That this physical body will help my soul to realize her predestination. Que ce corps physique va aider mon âme à réaliser sa prédestinée. Meditate about this phrase and I'm sure that you will have a lot of questions. Méditez à propos de cette phrase et je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de questions. And all of us, we are preparing now to the next step, era of Aquarius. Et chacune d'entre nous, on est maintenant préparé au deuxième, à la deuxième étape, à l'ère du Verseau. And it will not be possible to enter this new era with the knowledge from the past. Et ça ne va pas être possible de rentrer dans cette nouvelle ère avec le savoir du passé. Because Aquarius is the new spiritual knowledge. Parce que l'ère du Verseau, c'est une nouvelle connaissance. Many women ask me, why is it so? Une femme m'a demandé, pourquoi c'est comme ça? Yes, that some years ago, I was working at my company, or I did have some business, I was successful, I had enough money for everything that I wanted. Donc la femme, elle a demandé pourquoi est-ce qu'avant, quand je travaillais dans ma compagnie, j'avais beaucoup de succès, beaucoup d'argent, mon business allait très bien. Mm-hmm. Some were working in some companies like corporations, but then they decided to change their lives. Elle travaillait dans quelques compagnies comme des corporations, mais ensuite elle a décidé de changer de vie. Mm-hmm. And to switch to a completely different field, like more spiritual. Elle a décidé d'aller dans un champ bien plus spirituel. And many of them become yoga teachers, therapists, different kind of professions who can help people. Beaucoup d'entre elles sont devenues professeurs de yoga dans de nombreuses thérapies pour aider les personnes. And why this happened? Et pourquoi ça s'est passé? Because the cosmical laws, the era of Aquarius, guide us through different spirits. Parce que l'ère d'Aquarius nous guide vers différents esprits. Audrey, did you translate the whole sentence? Yes. Okay. Can you repeat to be yes. Sure? So explain why this happened. Because spirits guide us and help us to go to new era of Aquarius. Les esprits nous guident et nous aident à aller vers cette nouvelle ère. But we don't know the new laws of the new era. Mais on ne connaît pas les nouvelles lois de cette nouvelle ère. And I have a lot of examples when women say, oh, in the past I was so successful, I built career, I had a lot of money, but now I have problems. J'ai beaucoup d'exemples de femmes qui disaient qu'elles avaient beaucoup de succès dans leur carrière, dans leur business. Mais maintenant, elles ont beaucoup de problèmes. And from one side, the era of Aquarius, this new spiritual time, guide us to be more spiritual. Et d'un côté, cette ère du Verseau nous guide à être plus spirituel. But from other side, we are not, we're like new small childs, children. We don't know how to operate in this new world, yes? Mais d'un autre côté, nous sommes comme des petits-enfants. Nous ne savons pas comment aller dans ce nouveau monde. Mm-hmm. That's why one of the webinars, which included into online school in December, will be exactly about this.
C'est pour ça qu'un des webinaires qui est dans l'école en ligne en décembre va être à propos de ça. It's important for us to understand the new cosmical laws of new era where we are coming. C'est important pour nous de comprendre les nouvelles lois cosmiques de la nouvelle ère dans laquelle on va arriver. Mm-hmm. Do you understand me? Est-ce que vous me comprenez? If you don't understand, please, you can ask. Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, vous pouvez demander. Okay. Wonderful. Mm-hmm. Très bien, si vous avez compris. And now I offer you to do one test. Et maintenant, je vous offre de faire un test. Mm-hmm. Do you have the list of paper and some pencil? Est-ce que vous avez des papiers et des crayons? If yes, please put the plus. Si oui, mettez un plus. Mm-hmm. Wonderful. Merveilleux. Very good. Très bien. If you want, we can wait you 1 minute when you will find the piece of paper. Si vous voulez, on attend un petit peu, 1 minute, le temps que vous trouviez votre morceau de papier. Okay, very good. Je vois que vous êtes prête. Très bien. Mm-hmm. So, what I offer you to do? Qu'est-ce que je vous offre de faire maintenant? Don't worry if you are not a professional painter. It doesn't matter now. N'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas un peintre professionnel, ce n'est pas important maintenant. Take your pencil and draw two things. Prenez votre crayon et dessinez deux choses. Draw the girl. Dessinez une fille. I will show you an example. Je vais vous montrer un exemple. Oh, doesn't matter. For example, this is the list. Here you can draw the girl. Par exemple, c'est la liste. Vous pouvez ici dessiner la fille, une mm-hmm. fille. Or here, so it doesn't matter where you draw it, just draw the girl. Donc, c'est pas grave, juste où vous allez le dessiner, juste la dessiner là. And draw the fire. Et dessiner le feu. Don't try to think how to draw it, just draw. Ne pensez pas comment le faire, juste dessiner. Yes, very simple task, draw the fire and the girl. C'est une tâche très simple, juste dessiner la fille et du feu. Usually people say, ask where to draw it, just draw. Habituellement les personnes demandent, mais où dessiner? Juste dessiner. Mm-hmm. And I give you 1 minute. Et je vous donne 1 minute. To draw this picture, the girl and the fire. Pour dessiner cette image d'une fille et du feu. Mm-hmm. Ok, you can start. Ok, vous pouvez commencer.
Okay, my dear ones. Okay, can we switch on the translation? Thank you very much. Mm-hmm. Please, if you're ready, if you have drawn your picture, please put the plus. Si vous êtes prête, si vous avez dessiné votre image, mettez un plus. Mm-hmm. Very good. Très bien. And now, look at your picture. Take your photo, take your picture. Maintenant, regardez votre image. Mm-hmm. Prenez-la. So you have now two things, women, girl, yes, and the fire. Maintenant, vous avez deux choses. Vous avez une fille et du and feu. Now look how big fire you have. Et maintenant, regardez comment il est le feu, comment il est grand. First of all, I ask you to compare. You look at the fire and the girl and compare. Who is bigger, girl or fire? Maintenant, je vous demande de comparer. Qui est le plus grand, la fille ou le feu? I will open now you the secret. What does mean this test? Je vais vous ouvrir le secret maintenant. Qu'est-ce que ça signifie ce test? The fire demonstrates your inner power. Le feu démontre votre pouvoir personnel. Demonstrates your inner force to achieve what you need in this life. Ça signifie votre force personnelle pour achever ce que vous avez besoin dans cette vie. It's diagnostic of your inner power. C'est le diagnostic de votre pouvoir personnel. And now, let's understand. Et maintenant, comprenons. If your fire is smaller than the girl. Si votre feu est plus petit que la fille. Uh-huh, okay. So if the fire is smaller than the girl, it means that you don't have enough energy for materialization. Si le feu est plus petit que la fille, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'énergie pour matérialiser. The energy is like in the prison, blocked inside. L'énergie est comme dans une prison, bloquée à l'intérieur. Mm-hmm. And for you, it's very important to unlock this power. Et pour vous, c'est très important de débloquer ce pouvoir. In shamanism, we say that it's important to your spirit awaken. Dans le chamanisme, on dit que c'est important de réveiller votre esprit. And during the online school, we will work with this. Et durant l'école en ligne, nous allons travailler avec ça. If the fire that you draw is bigger size than the woman, si le feu est plus grand que la femme, like this, comme ça, I will draw the girl. Je vais dessiner la fille. Mm-hmm. And the fire is big. Le feu est très grand. Like this. Comme ça. Mm-hmm. It means that you have a lot of energy. Ça signifie que vous avez beaucoup d'énergie. You can be a magician, you can achieve what you want, but this power is not controlled. Vous êtes un magicien, vous pouvez achever beaucoup de choses, mais ce pouvoir n'est pas contrôlé. Yes, and you start to learn how to control it, to manage it. Et vous devez commencer à comprendre comment le contrôler, le manager. Mm-hmm. And if sometimes I see that the size of the fire and the size of a girl around the same. Et parfois, si vous voyez que le dessin de la fille et du feu est à au même niveau, mm-hmm. pareil. It's very good. C'est très bien. It means very harmony. C'est très harmonieux, ça signifie. But in your case, it's important to start to go forward and to open your predestination. Et dans ton cas, c'est très important d'aller plus loin et d'ouvrir ta prédestinée. Mm-hmm. So now you can see what is important for your fire, for your inner force. Maintenant, vous pouvez voir ce qui est important pour votre feu, pour votre force personnelle. And what about the girl?
Et à propos de la fille, qu'est-ce qu'il en est? It's also very special knowledge. C'est aussi un savoir très spécial. After the webinar, you can send to my WhatsApp this picture of your girl. Après ce webinar, vous pouvez aussi envoyer sur mon WhatsApp l'image de cette fille. And you will know more about yourself. Et vous allez en savoir plus à propos de vous-même. I will see at your girl at your picture. Je vais regarder à votre image. And we'll give your advices about your relationship. Et je vais vous donner un conseil à propos de vos relations. Yes, because the girl has a lot of also details that we can see how to build the harmony relationship. Oui, parce qu'avec la fille, on peut aussi voir comment construire des relations harmonieuses. Now you can see in the chat the WhatsApp number. Maintenant, vous pouvez voir dans le chat le numéro WhatsApp. One of the webinars during our online school is about relationship. Un de nos webinaires durant notre école en ligne va être à propos des relations. Yes, about cosmical laws in relationship. Oui, à propos des lois cosmiques dans les relations. Audrey? Yes? Do you hear me? Yes. Hello? Do you hear me, my dear? Yes, I hear you. Maybe there is a problem with connection. Yeah, you can try. Okay, so I told that we will learn, we will understand the cosmical laws on relationship, in relationship. Nous allons apprendre les lois cosmiques dans les relations. Audrey, do you hear me? It's better now? Yes, she was going. Okay. Yes. Sometimes bad spirits try to stop us from the light and they create different obstacles. Parfois, les esprits essayent de nous bloquer de la lumière et nous provoquent quelques obstacles. Yes, but it will have strong intention and will not let bad spirits to influence. Mais vous allez avoir une intention forte et vous n'allez pas laisser les mauvais esprits nous influencer. Do you agree? Êtes-vous d'accord? Okay, so about the girl. When you will send me the photo of your girl to my WhatsApp, I will help you to understand about your relationship. Donc, une fois que vous aurez envoyé la photo de votre fille sur mon WhatsApp, je vais vous expliquer à propos de vos relations plus en Wonderful. Détail. Wonderful. Très bien. And one of the day during the webinar, during the online school, will be about how to understand, how to build the harmony relationship on the spiritual laws. Et durant l'école en ligne, il y aura un webinar qui va être consacré à comment créer des relations harmonieuses avec les lois cosmiques. Because now very often women ask me. Parce que très souvent, les femmes me demandent. I want to have the spiritual partner. Je veux avoir un partenaire spirituel. But my partner doesn't want to be spiritual. Mais mon partenaire ne veut pas être spirituel. How can I change him? Comment est-ce que je peux le changer? And there is a special Aquarius cosmical laws if you want to be harmony in your relationship and develop them in the future. Il y a une loi cosmique pour l'ère du Verseau, très importante, qui est par rapport à vos relations, comment avoir des bonnes I'm relations. I'm sure that this is one of the main topics and
If you will invite your girlfriends to the online school, they will be very happy. Et ça, c'est un des sujets les plus importants. Et je suis sûre que si vous invitez vos amis, vos copines, elles vont être très heureuses de ces connaissances. What else we will do during online school? Qu'est-ce qu'on va faire autrement durant cette école en ligne? We will understand how from position of shamanism to build the harmony relationship with the spirits who are responsible for abundance. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre durant l'école en ligne? On va comprendre comment créer une relation harmonieuse avec l'esprit de l'abondance. Mm-hmm. One of you, somebody knows, it is Dan Zayache. Un d'entre eux, certaines d'entre vous le connaissent déjà, c'est Diane Zayachi. Yes, but we will go deeper and learn how to create this relationship with him and other spirits. Mais on va aller plus profondément, on va voir comment créer des relations avec lui et aussi d'autres esprits. And also now around me, you can see a lot of talismans, a lot of spirits. Et aussi autour de moi, vous pouvez déjà voir beaucoup de talismans, beaucoup d'esprits. Also, I have a special talisman, and in each talisman, different spirits live. Et aussi là sur moi, j'ai déjà un esprit très particulier, et dans chaque talisman, il y a un esprit qui vit. Very often, women ask me how to understand what spirit, what talisman will help me in this kind of situation or in this kind of situation. Et très souvent, les femmes me demandent quel esprit va m'aider dans ce type de situation ou dans ce type de situation. Mm-hmm. What spirit to ask help if you need to protect your child, for example? À quel esprit demander de l'aide si j'ai besoin de protéger mon enfant, par exemple? What spirit to ask help to protect from coronavirus? Quel esprit demander de l'aide pour protéger du coronavirus? Mm-hmm. What spirit to ask help if you feel loneliness and you want to feel love, to find the love? À quel esprit demander de l'aide si vous sentez seul et si vous demandez l'amour? Mm-hmm. Some spirits, they help us in business. Certains esprits nous aident dans le business. Some spirits, they help to open the predestination. Certains esprits aident à ouvrir la prédestinée. And that's why in the ancient times, people were very wise. C'est pour ça que dans les temps anciens, les personnes étaient très sages. Yes, and they knew that if they want to achieve something, they should know which spirit to ask. Et ils savaient très bien que s'ils voulaient achever quelque chose, ils savaient à quel esprit demander. And also they should know how to protect from bad spirits. Et aussi, ils devaient savoir comment se protéger des mauvais esprits. Mm-hmm. And how not to allow negative influence to attack you. Et comment ne pas autoriser les énergies négatives de vous attaquer. Because now in the world a lot of negative energies. Parce que maintenant dans le monde il y a beaucoup d'énergies négatives. And of course we should think and care about our children, about our family. Et bien sûr on doit prendre soin de notre famille, de nos enfants. Mm-hmm. And my gift for you who will register for the online school. Et mon cadeau pour vous qui si vous allez vous enregistrer pour l'école en ligne. If you will register for online school before 24 tonight. Si vous allez vous enregistrer avant le 21 ce soir. Mm-hmm. I will send you special music of purification and protection of your house. Je vais vous envoyer une musique de transformation, de purification pour votre maison. Mm-hmm. Very soon we will have Christmas, my dearest. Très prochainement, on va avoir le Noël, Michel. We will have astrological New Year. On va avoir un nouvel an astrologique. And this is one of the most important dates during the year. Et c'est une des dates les plus importantes durant l'année. And if you want to enter the new year with only positive things. Et si vous voulez entrer dans la nouvelle année juste avec des choses positives. Attract good luck. Attirer la bonne chance. Mm-hmm. Protect from all bad diseases. Vous protéger de toutes les mauvaises maladies. It's important also to prepare the house. C'est très important aussi de préparer la maison.
to prepare the house with this music of purification. De préparer la maison avec cette musique de purification. Clean the house from all past energies and not to bring this energy to the new year. Nettoyer la maison de toutes les énergies passées et ne, voilà, pour empêcher d'apporter tout ça dans la nouvelle année. Mm-hmm. And also we will do special rituals which we shamans we do before Christmas, before astrological new year. On va faire aussi un rituel spécial que les chamans font avant la nouvelle année, le nouvel an astrologique. Mm-hmm. I will help you to prepare for the most important date, astrological new year. Je vous aide à vous préparer pour la nouvelle année, la date astrologique. It's the magic time we can ask when we can ask the spirits, light spirits, to help us to make our dreams true. C'est le temps magique où on peut demander aux esprits de la lumière de rendre nos rêves réalisés, rêves vrais. Mm-hmm. Veuillez nous excuser pour ce petit problème technique. Ça va revenir, voilà. Yes, it's okay, thank you. Mm-hmm. Super. And also, I received from you questions about how to charge gifts for Christmas. Et j'ai déjà reçu des questions d'entre vous. Comment charger les cadeaux pour Noël? Mm-hmm. And during our online school, I will help you to charge your Christmas gifts for your family. Et durant l'école en ligne, je vous aide à charger vos cadeaux de Noël. Yes, because of course it's important where you bought it, which energy touched these gifts, what energy through this gift you're going to pass to your loved one. Et bien sûr, c'est très important parce qu'on ne sait pas qui a touché ces énergies, ces cadeaux, et pour transmettre la meilleure énergie pour vos chers. How do we ask for more gifts for Christmas? Very good question. Audrey, do you translate? Ah, c'est une question, oui. Comment demander plus de cadeaux pour Noël? Yes. C'est une très bonne question. We also learn this, understand this during our online school because this is, there are some secrets how to ask spirits for more gifts. Nous allons aussi apprendre ça parce que c'est un secret pour demander aux esprits pour avoir plus de cadeaux. Mm-hmm. I'm waiting your drawings, your girls, before 24 hours, before 24 o'clock at night. J'attends vos dessins de la fille que vous avez dessiné avant minuit mm-hmm. ce soir. And for those who will register for online school tonight. Et celles qui vont s'enregistrer pour l'école en ligne ce soir. Mm-hmm. I will send special recommendation based on diagnostic of your girl. Je vais envoyer des recommandations spéciales sur le diagnostic de votre fille. How better to prepare for astrological new year? Comment au mieux se préparer pour la nouvelle an astrologique? Mm-hmm. And I ask now to put in the chat the link to online school registration, this special Google form. Donc, je demande maintenant à mettre dans le chat ce lien spécial pour s'enregistrer à l'école en ligne. Yes, you can register and receive these gifts. Vous pouvez vous enregistrer et recevoir ce cadeau. And of course, all these webinars, all these practices, all these rituals will help you to prepare for the new era, Aquarius. Et bien sûr, toutes ces pratiques, tous ces webinaires, tous ces rituels vont vous aider à vous préparer pour la nouvelle ère, l'ère du Verseau. If we prepare in the right way during this December, November and December, si on se prépare dans le bon sens entre novembre et décembre, the next year will bring us a lot of gifts, by the way. Le nouvel an va nous apporter beaucoup de cadeaux. Mm-hmm. That's why it's very important to be ready for a new astrological year.
C'est pour ça que c'est très important d'être prête pour le nouvel an astrologique. During my 25 years experience, I received a lot of spiritual knowledge. Durant mes 25 ans d'expérience, j'ai reçu beaucoup de savoir spirituel. And 4 times per year, I go and dive into very deep retreats. Et 4 fois par an, je vais en retraite ou faire un travail très profond. Where I do very deep spiritual practices. Où je fais des rituels très profonds, des rituels spirituels. They are very pure places of power. Je vis dans un lieu de pouvoir très pur. I communicate with very light and high spirits. Je communique avec des énergies, des esprits très lumineux. I do a lot of fasting. Je fais beaucoup. Sorry? Fasting, fasting, fast, fasting. You know what? Ah, not exactly. Fasting. When during many days you don't eat. Ah, elle fait beaucoup de jeûne. Yeah. Oh, thank you, jeûne. Yes. Mm-hmm. I do a lot of deep meditations and do not communicate with the social world. Je fais beaucoup de méditations profondes et je ne communique pas avec le monde social. Mm-hmm. And due to this deep spiritual experience, during years, I accumulated the knowledge that will help you in all your doings. Et durant ces expériences, j'accumule beaucoup d'énergie pour vous aider dans tout ce que vous and faites. Of course, that's why I know what can I recommend you, what you can receive the best from this spiritual world. Et c'est pour ça que je sais qu'est-ce que vous pouvez avoir pour le monde spirituel, du monde spirituel. Because of course there are a lot of different things that can be interesting. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. But there are things that really quality. Mais il y a des choses qui sont vraiment de qualité. The spiritual qualité. Knowledge practices that really can help. Le savoir spirituel, des pratiques spirituelles qui peuvent vraiment vous aider. And one of such things is the retreat that will be conducted in Germany. Et une des choses qui va être importante, c'est la retraite en Allemagne. From 17th to 21st of December. Du 17 au 21 décembre. As you see, these are the dates of astrological new year. Et comme vous le voyez, ces dates sont les dates du nouvel an astrologique. Mm-hmm. And there will be women of power who will help their families and the whole planet to enter the new era of Aquarius. Et donc ici, à ce lieu, il va y avoir beaucoup de femmes de pouvoir, de la puissance, qui vont aider toute leur famille à rentrer dans cette nouvelle ère de l'Aquarius, l'ère du Verseau, et aussi aider le monde entier. And of course, this is the best way how you can meet astrological New Year. Et bien sûr, c'est le chemin, le meilleur chemin pour réaliser ce nouvel an astrologique. To be together with the circle of spiritual people. Être ensemble avec un cercle de personnes spirituelles. To be in the circle of women of power. Être dans un cercle de femmes de pouvoir. And to do rituals and to attract good spirits for the new year. De faire des rituels pour attirer des bons esprits pour le nouvel an. But it's not so easier to come to this kind of advanced type of events like retreat. Mais ce n'est pas si facile de venir à des retraites avancées, ce type de retraite. That's why we have steps for this. C'est pour ça qu'on a des étapes pour ça. And the first step is online school. Et la première étape, c'est l'école en ligne. Those of you who will pass through this online school will have a chance to be invited to this deep retreat. Et celles qui vont venir à l'école en ligne vont avoir une chance d'être invitées à cette retraite profonde. Mm-hmm. And of course, you can write me and ask questions if you have. Bien sûr, vous pouvez m'écrire et demander des questions si vous avez. And one more thing that I want to recommend you. Et une chose de plus que je veux vous recommander is to meet in this life with people who are enlightened.
C'est de rencontrer des personnes dans votre vie qui sont illuminées. I know one priestess, enlightened priestess in this life. Je connais une prêtresse illuminée dans cette vie. And some time ago, when we met, she gave me a very special amulet. Il y a quelque temps, quand on s'est rencontrés, elle m'a donné une amulette très spéciale. Do you see what is it? Est-ce que vous voyez ce que c'est? It's a very special object of feminine power. C'est un objet très spécial de pouvoir féminin. Mm-hmm. Yes, it's shell, but it's not just a shell. C'est un coquillage, mais ce n'est pas juste un coquillage. It's like house for the spirit. C'est comme une maison pour un esprit. Mm-hmm. Maybe in the future, I will show you the picture of the spirit who lives inside. Peut-être dans le futur, je vais vous montrer une image de cet esprit qui vit à l'intérieur. This is the symbol of enlightenment. C'est le symbole de l'illumination. You can see that this is like on the top, energy rise up. Vous pouvez voir qu'au niveau d'en haut, l'énergie va plus haut. And when she gave this object of power to me, she told that this spirit will help women to pray for others. Et quand elle m'a donné cet objet de pouvoir, elle m'a dit que cet objet va aider les femmes à prier pour les autres. And save women from bad negative influences. Et sauver les femmes des mauvaises influences négatives. And to protect their pure divine feminine energy. Et protéger leur pure divine énergie féminine. And now, please inhale the energy from this magic object. Et maintenant, s'il vous plaît, inspirez l'énergie de cet objet magique. And inhale this energy into your womb. Et inspirez cette énergie dans votre utérus. And when you inhale this energy into your womb, feel, see the light, which is purifying your womb from stress. Et quand vous inspirez cette énergie, voyez comment la lumière purifie votre utérus du stress. Put your two hands to cover your down belly. Mettez vos deux mains pour couvrir votre bas ventre. Close your eyes. Fermez vos yeux. Go deeper into yourself. Allez profondément à l'intérieur de vous. Inhale with your womb, uterus. Inspirez avec votre utérus. At your inner screen, continue to visualize this shell, this object of power. Sur votre écran intérieur, continuez à visualiser ce coquillage, ce pouvoir. Inhale this energy to your womb and heal your feminine organs. Inspirez cette énergie et guérissez vos organes féminins. From all stress. De tout le stress. From pain. Des douleurs. From not acceptance yourself as a woman. De la non-acceptance de vous-même comme une femme. From all negative influences. De toutes les influences négatives. And with each inhale and exhale, feel how you relax more deeper. Et avec chaque inspiration, expiration, ressentez comment vous relaxez de plus en plus. And now think about all women who live on the planet. Et maintenant pensez à toutes les femmes qui vivent sur cette planète. Think about those women whom you want to pray now for and help them. Pensez maintenant à toutes les femmes que vous voulez prier maintenant et les aider. Now on our planet, millions of women need help. Maintenant sur notre planète, des millions de femmes ont besoin d'aide. And let's send them this healing energy. Et envoyons-leur cette énergie de guérison. Women in France. Les femmes en France. Women in Germany. Les femmes en Allemagne. Women in Spain. Les femmes en Espagne, Italy, United States, Mexico, all countries. En Italie, aux États-Unis, tous les pays. And let's pray and ask light spirits to protect all these women from negative.
Et prions, demandons aux esprits de la lumière de protéger ces femmes de toutes les influences négatives. Help them to believe in themselves. Aidez-leur à croire en elles. Help them to find their life mission. Aidez-leur à trouver leur mission de vie. Help them to protect their children. Aidez-leur à protéger leurs enfants. And not to forget about that their soul. Et de ne pas oublier à propos de leur âme. Who is born here on the planet to realize her mission. Qui est née ici sur cette planète pour réaliser sa mission. Very good. Très bien. Now please, my dear ones, make and heal. Maintenant, s'il vous plaît, mes très chers, faites une grande inspiration. Make exhale. Faites une expiration. Open your beautiful eyes. Ouvrez grand vos yeux. When tonight you will go to sleep. Quand cette nuit vous allez aller dormir. I ask you to do a very simple thing. Je vous demande de faire une chose très simple. Please come to the mirror. S'il vous plaît, allez vers voir le miroir. Look at your eyes. Regardez vos yeux. And inside your eyes, see and feel your soul. Et à l'intérieur de vos yeux, regardez, voyez votre âme. And tell your soul. Et dites à votre âme. I will never betray you. Je ne vais jamais te trahir. I will realize the mission which is given to you by God. Je vais réaliser la mission qui m'a été donnée par Dieu. And I know that if I will do it, et je sais que si je vais le faire, I will enter the new era of Aquarius. Je vais rentrer dans la nouvelle ère du Verseau. I will enter the sixth race. Je vais rentrer dans le sixième rayon. I will open my talents. Je vais ouvrir mes talents. And I know. Et je sais. That all my family. Que toute ma famille. Will be protected from all bad negative influences, bad spirits. Va être protégé de toutes les influences négatives des mauvais esprits. Because we will be protected by divine power. Parce qu'on va être protégé par le pouvoir divin. Namaste. Namaste. Thank you very much for this meditation. Merci beaucoup pour cette méditation. I felt very deeply each of you, my dear ones. J'ai ressenti très profondément chacune d'entre vous, mes très chères. And I feel that through you, many women will receive this knowledge, this energy. Et je ressens déjà qu'à travers vous, beaucoup de femmes vont ressentir cette énergie et ce savoir. And opportunity to come to online school. Pour l'opportunité de rentrer dans l'école en ligne. And a lot of souls will be very